ce sont des choses qui ont lieu tout le temps et qui sont selon nous non seulement indéfendables sur le plan moral, on sait que ces animaux souffrent, mais elles présentent également des failles sur le plan scientifique. Ce sont, on sait que les animaux sont rarement de bons modèles pour le corps humain. Leurs réactions physiologiques sont différentes des nôtres. On sait par exemple que la pénicilline tue les cochons d'Inde, mais elle est inactive chez les lapins. On sait que l'aspirine peut provoquer des malformations chez les rats et les souris, mais elle est utilisée chez les humains. La morphine, qui est un tranquillisant pour nous, stimule les chèvres et les chevaux. En France et en Europe, les expérimentations animales, et d'ailleurs partout, sont encore utilisées, elles ont encore lieu. Malheureusement, la réglementation qui régule un petit peu toutes ces pratiques ne sont pas aussi strictes qu'elles devraient l'être. On sait que du moment que les bons formulaires sont remplis et déposés, un expérimentateur peut mutiler, gaver, asphyxier, torturer, tuer un animal d'une manière qui serait totalement illégale si c'était fait, par exemple, par votre voisin dans sa cave. Du moment qu'on porte une blouse blanche, on peut faire vraiment subir toutes ces souffrances aux animaux de manière légale. Par exemple, en utilisant des tissus humains, des cellules, de la modélisation par ordinateur, également des sujets volontaires humains ou des simulateurs de patients humains. Et puis, ça permet d'arriver à des résultats qui sont plus fiables et, encore une fois, sans animaux, et souvent plus rapidement.